Bonjour. Dans le cadre de l'histoire du cinéma et en même temps des techniques de langage audiovisuel, nous allons aborder aujourd'hui le rapport entre l'enfant et le cinéma, l'image de l'enfant au cinéma, suite à une série de rapports tels que le rapport de la femme au cinéma et le rapport de l'animal au cinéma. Sachant que plusieurs ouvrages ont été consacrés à ce sujet, tel que vous le voyez sur la couverture, et bien sûr, même la revue, la célèbre revue Cinéma Action avait consacré tout un numéro à ce rapport assez riche. Il se trouve que le rapport de l'enfant avec le cinéma date des origines du cinéma. Déjà en 1895, quand les frères Lumière procédaient à la réalisation de leur premier court, très court, ils vont consacrer un petit film à l'enfant de Auguste, tel que vous le voyez actuellement. Le film s'appelle « Le repas du bébé », parfois « Le déjeuner du bébé ». Et à gauche, c'est Auguste Lumière. Au milieu, c'est l'enfant dont je suis en train de parler. Et à droite, bien sûr, il y a sa mère. Donc on peut dire que ce rapport, l'enfant a déjà investi le cinéma dès les origines, donc dès les premiers films. Et bien sûr, ce rapport va se développer au fur et à mesure durant toute l'histoire du cinéma. Il se trouve, parfois, il y a des films très très célèbres, tels que Le Kid de 1900, le premier long métrage de Charlie Chaplin, 1921. Il y a une présence prépondérante de l'enfant. Déjà, dans ce film, il y a une grande part biographique, autobiographique de Charlie Chaplin. Il s'est investi coréen dans ce film parce qu'il relate avec un peu de fiction, bien sûr, toute la vie, le parcours assez dramatique parfois de Charlie Chaplin. Et bien sûr, le film a eu beaucoup de succès grâce à la présence de cet enfant qui s'appelle Jackie Coogan. Le film, bien sûr, compte parmi les grandes œuvres du cinéma, comme tous les autres films d'ailleurs, de Charlie Chaplin. Voilà, Jackie Coogan, enfant, mais ce n'était pas le premier film de Jackie Coogan. Jackie Coogan, d'ailleurs, qui a déjà joué dans de petits films avant d'être remarqué par Charlie Chaplin, à qui il a confié un rôle principal. D'ailleurs, Jackie Coogan partageait l'affiche avec Charlie Chaplin. Voilà, cet enfant d'ailleurs précoce, très très doué, déjà un handicap, c'est un acteur né. Il savait se comporter, il était très très à l'aise devant la caméra. Le voilà, bien sûr, il est méconnaissable, c'est Jackie Coogan qui a joué d'ailleurs dans d'autres films sans qu'il ait une carrière assez importante au cinéma. Mais il se trouve que Jackie Coogan, grâce à lui, une loi a été instaurée aux États-Unis, c'est la loi Coogan, qui donne les droits, pour la première fois, il va donner les droits aux enfants qui jouent dans les films, qui vont faire carrière au cinéma à une date précoce parfois, au détriment de leurs études, mais disons pas souvent au détriment de leurs études. Il y a des films très très célèbres, tels que ce film de René Clément, qui compte parmi les classiques du cinéma mondial, un film qui a récolté pas moins de 23 prix internationaux. Et ce film, bien sûr, est joué par des enfants. Jeu interdit est un film qui relate un petit peu la vie, le parcours, le drame que vivaient les enfants durant la Deuxième Guerre mondiale. Et le film, bien sûr, est tenu. Film d'ailleurs s'articulait autour d'un personnage principal enfantin tel que Brigitte Fossé qui incarnait une petite jeune fille d'ailleurs qui avait un petit ami et tous les deux supportaient toute la fiction du film. Ce film bien sûr relève du classique du cinéma à voir et à revoir. Et bien sûr parfois on a les larmes aux yeux compte tenu des situations dramatiques
qui gravitait autour de cet enfant, joué par Brigitte Fossé dans son premier film qui avait déjà 7 ans, pas plus que 7 ans. Et il se trouve que cette Brigitte Fossé est devenue une grande actrice du cinéma français. D'ailleurs, le thème du film, d'ailleurs, toute la fiction du film est supportée par Pujoli et Fossé dans ce film, dans le premier rôle bien sûr, mais qui vont faire tous les deux carrière au cinéma. Il y a un réalisateur français d'ailleurs, du moment qu'on parle du cinéma français, c'est François Truffaut qui a consacré plusieurs films à l'enfance. Et on dit même que c'est le cinéaste de l'enfance. Dès son premier court-métrage de 1957, et dans ce film, bien sûr, Les Mistons. Les Mistons est un court-métrage. D'ailleurs, on va retrouver Bernadette Lafont avec son mari Gérard Blain. Mais bien sûr, le troisième personnage du film est constitué par un ensemble d'enfants, d'ailleurs, qui n'hésitaient pas à harceler le couple formé par les deux acteurs que je viens de citer. Mais depuis lors, le film, bien sûr, avait poussé sur la scène François Truffaut, qui va consacrer d'ailleurs plusieurs films, même le film suivant, Les 400 coups, prix de la meilleure mise en scène au Festival de Cannes en 1959. Et il se trouve qu'en même temps, il va lancer la carrière presque de Jean-Pierre Léaud. Jean-Pierre Léaud, il n'a connu que le cinéma, c'est-à-dire toute sa vie, il l'a passé au cinéma depuis 1957. Quand il jouait dans Les Mistons. Comme il a été remarqué par François Truffaut, il va lui confier le rôle principal, d'ailleurs, dans le film Les 400 coups. Et bien sûr, voilà une image des 400 coups. D'ailleurs, c'est un film qui revient un petit peu sur la turbulence des enfants à un certain âge, surtout avant l'adolescence, joué par Jean-Pierre Léaud, qui va d'ailleurs épouser la carrière d'acteur dès ce film. Et il se trouve que le troisième film a été consacré à l'enfance, pas à l'enfance par François Truffaut, c'est l'enfant sauvage. Comme son nom l'indique, il revient un petit peu sur cet enfant abandonné dans la forêt, c'est un peu Tarzan. Et il se trouve aussi, voilà, Victor, c'est François Truffaut lui-même qui va jouer le rôle du maître, l'instituteur, qui doit apprendre tout à cet enfant trouvé dans la jungle. Un autre film, d'ailleurs, qui a aussi son importance, c'est L'argent de poche. Comme vous le remarquez, l'affiche va reprendre des visages d'enfants. Voilà les acteurs, les acteurs entre guillemets, qui ont joué, qui ont tenu des rôles plus ou moins importants dans le film de François Truffaut, L'argent de poche. Il n'y a pas que François Truffaut et ses acteurs, il n'y a pas que Jean-Pierre Léaud. Il y a aussi Feyrouz Sahira, cinéma égyptien, qui a tenu des rôles importants, premier rôle, dès son plus jeune âge, c'est-à-dire dès l'adolescence. Et là, d'ailleurs, comme ce fut une petite actrice très dynamique, elle va jouer dans beaucoup de comédies musicales. Et on va la retrouver, tous ces films vont assurer un très très bon succès. Voilà ce qu'elle est devenue par la suite. C'est Feyrouz Sahira. Et elle est morte très récemment. Il se trouve que elle incarne parfaitement le rapport assez fort entre l'enfance et le cinéma. Aux États-Unis, bien sûr, Judy Garland a été, d'ailleurs, à qui on a consacré récemment un film. Et entrer dans le cinéma dans l'enfance. Et il se trouve qu'elle a passé toute sa vie à l'écran. Voilà ce qu'elle est devenue par la suite. À 13 ans, elle était actrice, bien sûr, toute sa vie, elle va la passer au cinéma. À côté d'elle, on va retrouver Mickey Rooney qui a vécu plus de 100 ans, donc son âge coïncide avec celui du cinéma, a consacré toute sa vie au cinéma en jouant d'abord enfant, adolescent, jeune et puis vieux. Il se trouve que parfois, Mickey Rooney, d'ailleurs un visage familier du cinéma américain, mais pas seulement américain, mais partout dans le monde.
Mais il y a aussi Rudy McDowell. Rudy McDowell est un acteur qui est un acteur, maintenant un acteur célèbre, il veut être presque du cinéma hollywoodien, qui a joué dans beaucoup de films. Et c'est normal parce qu'il a commencé à jouer dans, dès l'enfance, comme vous êtes en train de le voir sur cette image. Et on va le voir plus tard, voilà ce qui est devenu Rudy McDowell, l'acteur qui a son importance au cinéma. Voilà, il y a un visage beaucoup plus célèbre, c'est celui de Leonardo DiCaprio. Vous voyez à gauche Leonardo DiCaprio. Et Leonardo DiCaprio, à 14 ans, il était déjà acteur. On va le retrouver dirigé par Sam Raimi dans Pile ou Face. Déjà, il commence par un western. Et cet acteur-là, bien sûr, a consacré toute sa vie au cinéma. Sa vie coïncide avec le cinéma. Du côté italien, par exemple, il y a Luigi de Comencini. Luigi Comencini a réalisé un bon nombre de films sur l'enfance. Et lui, d'ailleurs, c'est un peu l'équivalent de François Truffaut en Italie. Voilà, j'espère que vous avez tiré profit de cette leçon. À une prochaine leçon, très bientôt. Merci.